Je suis donc délégué syndical et délégué du personnel depuis peu de temps. Ça va faire 4 ans là. Ça va faire 4 ans au printemps prochain que je suis représentant du personnel. Donc voilà, je suis ingénieur de bureau d'études et ça fait 10 ans que je suis chez la TECOER. D'accord, et ça fait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de grève à la TECOER. La dernière grande grève, celle qui est restée dans la mémoire collective de la TECOER, puisque quand même la TECOER est une vieille maison qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine, souhaitons-le. Donc c'est une vieille maison qui a une histoire et une mémoire. Donc la dernière grande grève qui est restée dans les mémoires, dans la mémoire collective des salariés de la TECOER, c'est celle de 1972. Alors il ne reste plus personne en activité aujourd'hui pour en témoigner, mais il reste des gens qui l'ont vécu, qui sont retraités, d'heureux retraités aujourd'hui. Alors voilà, ouais, c'était la dernière grande grève, c'est un mouvement inédit là, il y a eu quelques débrayages, encore très peu. Je discutais récemment avec un collègue qui est là depuis plus de 30 ans, et il n'avait jamais connu ça, lui, dans sa carrière chez la TECOER, un mouvement comme celui que nous sommes en train de vivre. D'accord, et sur quoi vous êtes parti finalement et vous avez décidé de partir en grève? Alors, l'élément déclencheur, c'est le fruit, comment dirais-je, ça a procédé par sédimentation. Hein. Ce sont des couches qui se sont succédées, qui se sont déposées petit à petit, qui ont nourri la frustration et la colère des salariés. Mais il y a eu une étincelle qui a mis le feu aux poudres. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est les premières décisions de nos nouveaux actionnaires, puisque nous avons été rachetés, c'est très moderne, on est au top de la modernité, nous avons été rachetés par des investisseurs, des fonds d'investissement, 10 fonds vautours, anglo-saxon qui s'appelle Apollo et Monarch, anglo-américain, donc qui nous ont racheté là récemment, ça date de fin août. Et donc leur première décision, lors de la première réunion du conseil d'administration tout nouvellement créé pour l'occasion, a été d'augmenter d'une part la rémunération des administrateurs, des membres du conseil d'administration, des administrateurs non salariés, puisqu'on a quelques représentants salariés qui eux ne sont pas rémunérés. Et ça a été aussi de décider de l'attribution d'un plan d'action gratuite pour les salariés français du groupe ATECOER, pour les 2000 salariés français du groupe ATECOER, mais aussi et surtout pour le management du groupe ATECOER. Donc ça représente, on connaît pas exactement la liste des heureux bénéficiaires de ces actions gratuites, mais on pense que ça représente une dizaine de personnes. Donc 240 000 actions pour les 200 000 salariés du groupe, ça représente quelques centaines d'euros par salarié, et 10 fois plus, 2 400 000 pour le management du groupe. Là, ça représente plutôt... À se partager à une dizaine. Ça représente, au cours actuel de l'action, c'est une enveloppe de 10 millions d'euros à se partager entre une dizaine de personnes. Sachant que le cours actuel de l'action est quand même appelé à augmenter, je pense que c'est le but du jeu. Alors évidemment, nous sommes en cette année 2015 qui est une année de gel des salaires, qui fait suite à des années où les salaires n'ont pas été gelés, quand ils n'ont pas été gelés, étaient augmentés de manière très modique. Alors là, c'était vraiment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Les gars ont dit, non. Donc c'est la CGT qui est dans la bagarre, les autres syndicats dont on sait, dont on avait pu admirer la chose. Voilà. Je ne me prononce pas, moi. Est-ce qu'ils sont prêts à rentrer le sens, alors, je ne suis pas le porte-parole des autres syndicats, donc je ne m'exprime pas en leur nom. Ce que je peux dire néanmoins sur ce qu'ont dit les autres syndicats, concernant la CFE-CGC, alors il y a 3 syndicats chez la TECOER, il y a la CGT, la CFE-CGC et Force Ouvrière. Sachant que la CGT est un syndicat minoritaire, France Ouvrière et la CFE-CGC sont majoritaires. La CFE-CGC partage le diagnostic, je dirais. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait d'accord pour dire que ce qui s'est passé, ce qui a déclenché le mouvement est scandaleux, que ce qui se passe depuis des années est dans une large partie scandaleux. Mais ils ne souhaitent pas s'associer à ce mouvement car ils considèrent que stratégiquement il est malvenu. Vous êtes combien de grévistes du coup depuis là ? En tout sur les deux sites, on a environ 150 grévistes, donc sur un effectif de 1000 salariés. C'est beaucoup moins que ce qu'on souhaiterait naturellement, mais c'est pas non plus. Et en proportion des on va dire ouvriers, cadres C'est très majoritairement ouvriers. À ma connaissance, on est seulement 3 cadres à participer à ce mouvement. Il y a
bon, il y a quelques techniciens, mais... Ça veut dire que la proportion d'ouvriers en grève est quand même importante, parce que s'il y a 150 voilà, sur 1000, il y a combien d'ouvriers en tout sur les 1000 chez la TechWare, mais c'est ça, il y a environ, alors que je ne dise pas de bêtises, il y a environ 150, ouvriers chez la TechWare. Oui, donc ils sont quasiment tous en grève. Ils sont quasiment tous en grève. Voilà, c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, quand on circule dans les ateliers aujourd'hui, il n'y a plus personne. Est-ce que vous sentez que bon, le mouvement est déclenché? Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui sont encore hésitants mais susceptibles de vous rejoindre? Comment tu vois la situation? Alors ça, c'est une satisfaction, enfin c'est au moins une demi-satisfaction, c'est que on sait, parce que les collègues qui ne sont pas grévistes, néanmoins, certains d'entre eux viennent nous voir pendant leur pause café, ou on a eu l'occasion de discuter quand même avec les collègues, et on se rend compte que ça fait travailler à l'intérieur. Quoi. Les gens réfléchissent, ça les titille. Je crois, enfin, peut-être que je suis trop optimiste, mais il me semble que ce que nous faisons est vu à l'intérieur par ceux qui pour des raisons diverses et variées ne nous ont pas rejoints, est vu avec sympathie. Et je sais qu'ils sont assez nombreux à se demander, on y va pas, pourquoi on n'y va pas, voilà. Bon. Et par rapport au syndicat de la métallurgie, vous avez des liens avec Airbus, avec la CGT d'Airbus, etc. Est-ce que vous envisagez, y compris, de voir les formes de soutien parce qu'il va falloir tout? Alors, on a des liens, bien sûr, on a d'excellentes relations et des relations soutenues avec nos camarades d'Airbus et d'ailleurs, de la métallurgie en général. Alors, aujourd'hui, donc ils sont là, il y en a qui sont là. Une délégation. Voilà. Donc la suite, quelle était ta question, Paul? Est-ce que au niveau de la métallurgie, oui, vous bénéficiez d'un soutien On bénéficie d'un soutien, absolument. On bénéficie tout à fait d'un soutien. Il y a des collègues, il y a des camarades qui sont venus. Le mouvement, on est en grève depuis mercredi, on a publié hier ce communiqué, on appelle à ce rassemblement aujourd'hui, voilà, tout ça se met en place. Juste du coup, dernière question sur un peu les perspectives là pour la suite, on est vendredi aujourd'hui. Oui, on est vendredi aujourd'hui et donc on est samedi demain. Tout à fait. Les perspectives, on va en discuter tranquillement. Alors, les gens vont partir là vers midi, tout le monde va partir puisque classiquement les gens débauchent à midi moins le quart. Donc nous, syndicalistes, on va, je pense, prendre le temps de discuter un peu cet après-midi. Les perspectives, je ne les connais pas. On va aller, je pense, à mon avis, mais ce n'est pas moi qui vais décider, bien sûr, je pense qu'on va se donner déjà rendez-vous lundi matin pour décider collectivement de la suite à donner. Donc voilà, c'est. Alors après, on a quelques idées en tête, etc. On va voir. Ok, et la revendication. Je ne veux rien déplorer. Et la revendication, parce que finalement, tu nous as expliqué ce qui avait entraîné le ras-le-bol, mais votre revendication. Notre revendication concrète. Ce que nous contestons d'abord, c'est la manière dont les NAO, les négociations sur les salaires, se sont déroulées au début de l'année 2015, en mars 2015. Pour dire les choses de manière tout à fait franche, la direction s'est foutue de notre gueule, de la gueule des salariés et de la gueule des délégués syndicaux qui étaient appelés à négocier. Parce qu'on n'a rien négocié. Ils avaient décidé de geler les salaires, ils ont gelé les salaires, ils ont fait semblant de négocier, ils se sont moqués de nous. C'est assez disgracieux. Par ailleurs, donc la revendication, c'est une revendication mais alors extrêmement maudite. Ça a fait l'objet d'ailleurs de discussions entre nous, on sait quand même. C'est une revendication maudite. Nous demandons une augmentation générale de 50 euros par salarié brut applicable à décembre 2015. C'est-à-dire que les salariés seraient augmentés en 2015 de 50 euros. 50 euros, ça fait un coût total de 80 000 euros. Donc on parle d'une boîte qui a 100 millions d'euros de trésorerie, qui vient d'accorder 10 millions d'euros, enfin qui envisage d'accorder 10 millions d'euros de bonus au management, enfin, qui fait 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80 000 euros, c'est le prix d'une porte Boeing. Enfin, on devrait être presque honteux, nous en sommes à demander des centimes, et on nous les refuse. Voilà. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Et dis-moi, ils ont ouvert un truc à...